1996. Je suis passée cette année-là au département d'anthropologie. Donc, je pars de l'école des sciences infirmières pour être accueillie au département d'anthropologie. C'est un choix personnel, hein, de mutation. À ce moment-là, c'était Marie-France Labrec qui était directrice du département. On sait le rôle que jouent les directeurs de département dans ces opérations-là, un peu délicates. Et donc, c'est elle qui a été, je dirais, très importante dans le chemin pour être accueillie au département. Et je souhaitais modifier des éléments de mon parcours parce que, principalement, tout l'accès au terrain, à certains types de terrain, était difficile, considérant les besoins qu'il y avait à ce moment-là, toujours dans le milieu, mon premier milieu d'accueil. Et ceux que je commençais à développer, qui étaient d'avoir envie de sortir des thématiques que j'avais abordées, d'en aborder de nouvelles, dans des contextes où j'allais être surprise, voilà. Et donc, ça a été une motivation importante parmi d'autres. Et je voulais aussi, peut-être que j'étais restée au fond de moi avec cette idée, est-ce que c'est de l'anthropologie que je fais ou c'est pas de l'anthropologie? Alors, peut-être que j'ai eu besoin de me sécuriser pour rejoindre ce corps professoral, ce département, en tant que professeur et pouvoir déployer, finalement, de nouvelles recherches. Alors, j'étais très heureuse d'y être accueillie, très heureuse aussi de côtoyer, en tant que collègue, des gens que j'avais eus comme professeurs, qui étaient, eux, pour un certain nombre à commencer à se préparer à partir. Et puis, assez rapidement, j'ai eu à identifier sur quoi j'allais continuer de travailler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Brésil qui est entré en force dans mon existence, puisque j'ai choisi de commencer à faire des terrains au Brésil. J'en avais rêvé à la maîtrise, mais c'est pas ça qui s'était passé pour de multiples raisons. Et là, je réactualisais un rêve. Et Yvan Breton, de nouveau, m'a aidé parce qu'il avait de nombreux contacts au Brésil. Et puis, bon, j'ai pu en établir par son intermédiaire et me retrouver en Amazonie brésilienne. Le début de ce travail, ça a été finalement les premières années de recherche au Brésil, ça a été de faire une transition finalement. Je suis restée sur mes grandes thématiques, notamment les questions de soins, les questions aussi liées aux grandes transformations qui allaient attaquer les systèmes de soins publics un peu partout dans le monde et ce que ça allait faire sur les pratiques finalement au niveau des familles, au niveau des femmes et tout ça. Donc j'ai travaillé ces questions-là en même temps que je continuais de les travailler au Québec, ce qui m'a donné des perspectives formidables en termes de comparaison, même si je ne faisais pas comme telle de la comparaison. Alors ces premiers travaux-là ont été importants. Puisqu'ils m'ont permis de commencer progressivement à entrer dans la sphère brésilienne et dans une que j'ai jamais laissée finalement depuis, puisque le Québec et le Brésil sont restés là, mes terrains de prédilection. Et en 1999, on m'a proposé de diriger la revue Anthropologie et Société. À ma très, très, très grande surprise, et j'ai réfléchi, j'ai fait toutes sortes de consultations. J'étais très anxieuse parce que je voyais que c'était quelque chose d'extrêmement difficile et que la responsabilité par rapport à la discipline était énorme. La confiance qu'on semblait m'accorder me surprenait énormément. J'ai finalement accepté. Et puis, j'y suis restée presque 11 ans. Et ça a été quelque chose, on pourrait y revenir, de très, très important, évidemment, dans la réflexion sur la discipline,
mais aussi dans mon insertion au département, dans le travail que j'ai pu y faire et dans les relations avec toute la communauté des anthropologues au Québec et un peu partout ailleurs dans le monde. Le retour sur le Brésil, donc les premiers travaux m'ont permis, donc je ne travaillais pas dans la forêt amazonienne avec les autochtones, mais bien donc dans une population, au sein d'une population qu'on appelle les caboclos, c'est-à-dire ceux qui sont mélangés, autochtones et autres, et qui sont les populations riveraines hein, de l'Amazonie. Puis, donc j'ai travaillé principalement à Belém do Pará, et puis dans des petites municipalités côtières, notamment Marunda. Et ça a été un travail de transition. Je ne pense pas que j'ai fait là des travaux qui m'ont... Ça a été vraiment une façon d'entrer par du connu dans l'inconnu et de parfaire mes connaissances du portugais, de commencer à construire des réseaux, de travailler dans un contexte qui m'a un peu dérangée par moments parce que j'étais accueillie au Museu Emilio Golgi, qui est une très, très vieille institution brésilienne, très importante pour l'histoire des sciences naturelles et pour l'anthropologie. Et, mais à ce moment-là, ce milieu était financé largement par le G20 et en fait le G8 à l'époque. Et j'ai senti toutes les pressions financières qui étaient propres à ce milieu, l'importance des industries qui allaient se greffer pour créer du développement en Amazonie. J'étais inconfortable, j'arrivais avec une toute petite subvention CRSH et on voyait que des équipes entières, particulièrement en sciences naturelles, débarquaient. Et cette ambiance où les Brésiliens avaient, dans ce contexte-là, avaient un pouvoir assez limité sur la direction de leurs affaires, la présence des chercheurs étrangers, très nombreux dans ce milieu, je n'ai pas sûr que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce contexte-là, même si finalement je suis restée à travailler au Brésil, mais j'ai choisi d'aller dans d'autres contextes où ma liberté académique allait être beaucoup plus importante et le rôle, la puissance finalement de l'argent de recherche venant des pays occidentaux allait être moins importante et plus équilibrée, si on peut dire, et ainsi les relations avec les collègues et avec les populations concernées. Alors, mais ça a été une très, très belle découverte et j'ai compris que j'allais vouloir continuer d'y travailler. C'est par là que j'ai assisté à mes premières séances. On fait toujours du terrain puis du terrain à côté. Alors, il y a les objets et puis ensuite, ce qu'on fait pour comprendre la société, qu'est-ce qui s'y passe, les occasions qu'on vous propose. Et j'ai assisté là à ma première séance d'Umbanda, sans savoir trop dans quoi j'allais entrer et quelle influence ça allait avoir par la suite dans mon existence. Donc, l'Umbanda, qui est une religion afro-brésilienne, mais très la plus autonome, je dirais, de toutes les religions afro-brésiliennes, puisqu'elle est vraiment née là, complètement au Brésil. Et elle est toute faite, mais vraiment entièrement, de métissage, de bricolage. C'est assez extraordinaire, mais avec les entités que l'on retrouve dans le candomblé. Alors, j'ai commencé à fréquenter ces milieux, même si je ne travaillais pas sur cela. Et même j'avais des informatrices qui fréquentaient le milieu, qui m'y amenaient. J'ai appris aussi à me débrouiller dans des terrains équivalents à la favela, les baixadas, à trouver la protection de femmes qui savaient comment faire pour s'organiser dans des milieux compliqués où il n'y a pas de nom de rue, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de problèmes dits sociaux. Et donc, j'ai appris à être au Brésil dans des environnements qui étaient très difficiles, mais qui étaient en même temps incroyablement protecteurs comment les personnes savaient
vivre dans cet environnement-là. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur cette recherche pour m'amener dans le contexte de l'humanitaire. En fait, la première recherche au Brésil m'a fait découvrir à la fois le monde des ONG, la société civile, l'importance de la société civile dans des sociétés où l'État est plus fragile, et l'importance aussi des mouvements sociaux. On est dans une société qui était en pleine transformation, qui l'est toujours. Aussi un mot qui revenait constamment dans le vocabulaire, qui était « cidadania », la citoyenneté. Et j'avais l'impression que je n'avais jamais entendu parler de citoyenneté de ma sainte vie. Et pourtant, c'est que c'était une catégorie qui faisait énormément sens, hein, deux mots, violence et citoyenneté, qui étaient tout le temps présents dans toutes les discussions, les échanges, dans un milieu urbain aussi, comme celui de Belém do Pará, dans un milieu aussi où le travail, je dirais, des organisations de la société civile contre, bon, certains, disons, des gens qui pillent l'Amazonie, contre des gouvernements de corruption, tout ça, c'était très, très, très fort. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette société civile en particulier, celle du Brésil. Et à m'intéresser aussi, à l'envers, à ce que j'avais compris en Amazonie brésilienne, c'est-à-dire la construction scientifique de cet endroit-là par les interactions avec les sociétés occidentales et les appétences, je dirais, de nos milieux pour cela. Et là, je me suis intéressée donc aux influences externes sur des sociétés comme celle-là, et puis à voir aussi que le Brésil a une culture tellement diversifiée, tellement forte, tellement incroyable. Comment est-ce qu'une machine comme celle de l'Occident peut pénétrer le Brésil et en même temps laisser le Brésil dans sa vie à lui, on va dire ça comme ça. Alors, la question de l'humanitaire est entrée comme quelque chose qui pourrait être intéressant. Parce que des ONG d'humanitaire, il y en a partout dans le monde, il y en a au Brésil. Et avec Patrick Fougérolas, qui est un collègue anthropologue associé à l'Université Laval, un très grand spécialiste du handicap, on avait rêvé de travailler ensemble. On a été étudiants dans la même période, influencés par pas mal de choses similaires, avec les mêmes admirations, ou à peu près. Alors, on s'est dit, ce serait chouette de faire quelque chose. On essaye-tu de faire quelque chose? Et comme ça arrive, les meilleures recherches, on n'y pense pas si longtemps que ça. Et on s'est dit, bon, tu sais, si on mélangeait le handicap, l'humanitaire, on a trouvé quelque chose, alors là, on développe ensemble notre idéation et puis cette idée de faire un projet sur la question du handicap à partir de la construction finalement d'une grande ONG internationale qui est celle de Handicap International que connaissait Patrick. Alors on se dit, mais est-ce qu'ils travaillent au Brésil? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait des recherches pour voir où est-ce qu'ils sont, s'ils interviennent vraiment au Brésil. Et puis là, je fais un voyage de reconnaissance pour aller rencontrer les ONG qui travaillent avec eux. Et puis là, en me disant, on va faire un travail, comment ça se construit l'humanitaire d'un endroit qui va être la France, qui va nous arriver au Brésil, et puis du Brésil, qu'est-ce que c'est que ça donne? Avec, dans mon expression à moi, c'était « Est-ce qu'ils vont arriver à brésilianiser l'universalisme de l'humanitaire? » Bon, la réponse était un peu oui, mais pas complètement, mais pas mal oui. Mais on a eu des petites surprises en chemin, puisque en fait, la construction locale, elle était partout. Hein, Handicap International, c'est une ONG qui, comme le plaît à le dire son fondateur, est née à Tessin-la-Lune, quelque chose comme ça, quelque part proche de Lyon, dans un endroit, un petit bled perdu, avec deux, trois personnes, des docteurs de la réadaptation, qui sont des post-68 heures, qui veulent changer le monde et leur profession en particulier, et qui fondent une affaire qui devient la grande organisation qui est Handicap International, puisqu'ils sont dans 60 pays.
Et on arrive au Brésil, et je ne le sais pas, l'ONG avec laquelle je commence à travailler, nous commençons à travailler, Vida Brasil, est une des quatre ONG fondatrices du Forum social mondial. Alors, ça, c'était pas attendu non plus. C'est une autre affaire localisante à souhait. Et c'est une ONG extrêmement autonomiste, qui n'est pas du tout dérangée par Handicap International, qui instrumentalise un petit peu Handicap International, qui fait comme elle pense et comme elle croit, et qui travaille aussi avec des fonds locaux, sait très bien aller chercher des fonds internationaux. Donc, ça nous intéresse de comprendre tout ça. Et puis, maintenant, travailler avec les personnes handicapées brésiliennes. Donc là, je repars avec des questions. Le Brésil, on le sait, c'est un pays du corps parfait, c'est un pays qui cultive la perfection des corps avec notamment son industrie de la chirurgie esthétique qui est très célèbre, exportée un peu partout. Et comment est-ce qu'une personne handicapée dans une société comme celle-là vit-elle? Donc, c'est ce qui nous a intéressés. On a tenté de faire le chemin, finalement, à la fois de l'humanitaire, du global qui était du local, vers du local qui se globalise avec le Forum social mondial. Et on a essayé aussi de suivre les trajectoires des personnes handicapées, soutenues par Vida Brasil, qui ne connaissent pas vraiment Handicap International, puisque ce n'est pas dans leur tête. Et on a travaillé avec des personnes vivant avec de multiples situations de handicap. Ça veut dire aussi bien des aveugles, des quadriplégiques, des personnes malentendantes, des personnes à qui il manque un bras, une jambe, deux jambes, toutes catégories, dans différents milieux, des personnes soutenues par l'organisation et des personnes qui n'arrivent pas dans cette organisation. Donc, on est allé dans le théâtre et en dehors du théâtre. Et on est allé dans la ville comme telle et on est allé à l'extérieur de la ville. On a suivi toutes les organisations qui travaillaient avec Vida Brasil, incluant un centre qui était finalement une institution totalitaire, où on gardait 400 personnes dans très, très peu, très, très petit espace, et parfois dans des milieux qui peuvent ressembler à des cages. Donc, on arrivait juste un petit peu après une certaine désinstitutionnalisation. Donc, les gens avaient cette mémoire-là. Ça a été extraordinaire. C'était une des plus belles expériences de ma vie. Et avec Patrick, de faire ce travail avec lui, avec quelqu'un qui a toute cette expérience, lui qui a contribué à reconstruire les catégories liées au handicap à l'OMS, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, qui a contribué à fonder aussi des organisations internationales par rapport au handicap, et qui rêvait aussi de faire un terrain. Donc, ensemble, ça rendait des conditions, lui qui est aussi en situation de handicap, ça rendait ces choses-là possibles. On a donc vécu ça ensemble, et j'ai fait des bouts de terrain toute seule aussi, en particulier les entretiens avec les personnes handicapées, les ai faits en grande partie. Mais ces entretiens-là, dans des conditions qu'on peut parfois difficilement imaginer. Par exemple, j'en parle un petit peu dans le livre que j'ai finalement fait. Au bout de cette recherche, on a publié ensemble, Patrick et moi, des articles, mais j'ai fait un livre qui touche la question du post-humanitaire, finalement, et du handicap, qui s'appelle « Identité et handicap ». Et au pluriel, et d'écouter dans toutes sortes de situations, donc ces personnes handicapées, et je reviens sur l'histoire donc de cette femme qui prend soin d'un jeune enfant, d'un enfant qui n'est plus un enfant, c'est une personne qui a 20 ans au moment où je fais cette série d'entretiens, et l'enfant est dans une chambre qui est une cage, en fait. Des personnes voulaient que je rencontre cette femme-là et cet enfant-là. Et j'ai fait l'entretien et
C'était absolument incroyable parce que il faut comprendre que le Brésil n'a pas les moyens pour faire des prises en charge modernes, hein, de personnes qui, dans son cas, c'était quelqu'un qui avait à la fois des problèmes cognitifs, des problèmes physiques. Bon, je ne veux pas rentrer dans des histoires de diagnostic, mais cet enfant-là, la mère vivait avec cet enfant-là et il n'y avait que ça dans l'existence. Deux personnes en symbiose, on peut dire, mais on entre et il n'y a rien dans la maison. Vous imaginez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a à peu près ce qui tient lieu de lit pour l'enfant, pour cette femme. Il y a deux meubles, hein, deux chaises, c'est tout. Il n'y a rien. Et on commence l'entretien et cette femme me demande où est la justice? Commence à me parler de justice. Moi, je travaille sur le handicap, je travaille sur autre chose, mais c'est de la justice dont elle me parle. Et c'est un entretien extrêmement difficile, extrêmement émotif. Il y a cet enfant qui crie derrière. Il ne peut pas s'exprimer autrement. Et ce qu'ils ont trouvé, la santé publique, c'est la santé publique qui a fait ça, c'est pour qu'elle puisse continuer à en prendre soin, c'est de mettre des barreaux. Au lieu d'avoir une porte, c'est des barreaux. Et comme ça, elle peut lui donner des choses. Elle peut, de temps en temps, elle ouvre les barreaux, de temps en temps pas. Mais en fait, c'est extrêmement pénible. C'est une des situations que j'ai pu rencontrer pour voir ce que ça veut dire. J'ai utilisé le mot dépendance antérieurement, la dépendance dans des sociétés où à la fois le contexte traditionnel commence à moins fonctionner et le contexte moderne est là, a l'air d'offrir quelque chose, mais n'a rien à offrir parce que les moyens ne sont pas là. Alors, cette vie-là, de cette femme-là, c'était une vie de souffrance, et la vie de cet enfant-là, c'est certain aussi. Et autour, pour elle, l'ONG était à 5 minutes de là. Elle ne pouvait pas assister à quelque réunion que ce soit dans un tel contexte. Les gens dehors, ils entendent cet enfant-là. Ils ont peur. Il y a le démon. Il y a toutes sortes d'affaires. Le contexte religieux. Pour beaucoup de religions, particulièrement afro-brésiliennes, ce genre de situation, si on n'est pas loin du maléfique, là. Donc, très grande difficulté à avoir une interaction. Et une personne très, très handicapée, on sait que la danse est extrêmement importante dans les religions afro-brésiliennes. Si vous dansez pas, là, vous pouvez pas incorporer, vous pouvez pas entrer en communication avec les dieux. Alors, là aussi, c'est une autre difficulté. Donc, d'être sauvé, comme on peut le faire, par exemple, dans le contexte de la psychiatrie ou de problèmes de santé mentale par des religions animistes, eh bien là, on peut oublier ça. Et le système formel ne peut pas faire grand-chose de santé. Alors, j'ai rencontré là des situations extrêmes de ce type-là, mais j'ai rencontré aussi des gens qui vivaient leur expérience du monde à travers une sensorialité complètement transformée par le handicap, hein, donc en dehors des normes habituelles de l'expérience du monde, et qui m'ont raconté leurs histoires de vie, leurs histoires aussi d'engagement parfois citoyen, à essayer de travailler la cause dans une ville comme Salvador, qui est très, très peu accessible. Au sens de l'accessibilité pour des personnes qui ont des problèmes de handicap. Et ça a été comme un tour du monde à travers les sens. Ça a été une autre manière de regarder la vie depuis ce qu'une personne non-voyante ne voit pas, depuis ce qu'une personne malentendante qui doit se faire traduire par une autre n'entend pas. Ce qu'une personne paraplégique qui ne peut pas se mouvoir, ou une personne qui n'a pas de jambes, à qui on a fait fabriquer des jambes, et les jambes sont accrochées au mur parce que ça fait pas, ces jambes-là, ils sont pas adaptées à la personne. Puis qui vous dit, ah, oh,
Mais on me parle de citoyenneté, puis on me parle de droit. Mais moi, ce que je veux, c'est manger. Ce que je veux, c'est qu'il arrête de pleuvoir dans ma maison. Et cette personne-là est dans son fauteuil, roulant, très précaire, et ne peut pas aller par elle-même dans sa propre salle de bain, puisque le fauteuil n'entre pas. Donc, c'est un truc hyper complexe de pouvoir juste aller faire des besoins. Cette histoire a été très, très importante et le Brésil, la créativité du Brésil, je pourrais y revenir, m'a permis de penser autrement la manière d'entrer dans la restitution des connaissances à travers l'image.